Salut à tous, c'est Narm sur un nouveau jeu, The Cat Lady, qui est un jeu d'horreur avec apparemment une bonne histoire, très bien notée sur Steam, dans laquelle on incarne a priori une femme qui se serait suicidée ou quelque chose comme ça, et à qui on offrirait une seconde chance, dans laquelle on doit normalement retrouver des criminels ou des futurs criminels. My name is Susan Ashworth. On va voir. Salut Suzanne. I live alone in this old two-bedroom flat. I rarely go outside. Mais pourquoi? C'est bien l'extérieur. Ouh le minou. Et tu as un chat noir en pièce d'horloge. And I guess that's true, but I don't like people's company. Not lately anyway. Pas dernièrement, ça a changé. I only trust my cats these days. Le style est sympa en tout cas. I will miss them dearly, but they will understand, like they always have. Ils comprennent toujours les miaou-miaou. Teacup stays with me till the end. He watches me, as if he knew. Que t'allais te suicider. C'est un peu le synopsis qui nous a spoilé, enfin qui m'a spoilé sur le coup. Je crois que c'est ça. Hein. Because earlier tonight, I swallowed ouais, a ça. Whole bunch of pills. They're legal, of course. Prescribed by my doctor for my sleeping problems. Ouais, mais le problème c'est que si t'en prends trop. But I've taken 34 of them, all I could find in the cupboard. Ça fait un and peu now trop. The room around me spins in a blurry tango as my heart slows down. Il est beau le miou-miou. T'as de beaux yeux, tu sais. Tu vas m'emmener au paradis des chats. Ooh. Any second now, I will be dead. I feel calm. Et pourquoi? I'm ready for it. C'est dommage. Ok. Petit papy pont. I've only got one thing to say now. Adieu. Non. Goodbye. Anna. Thanks for nothing. Goodbye. C'est plutôt amer, je trouve. Mais si pour... en même temps, si t'aimais pas les gens et que t'essayais pas d'aller vers eux, tu pouvais pas essayer de les apprécier. Ils essayaient pas t'aider alors que tu leur demandais rien. Malheureusement. Chapitre 1. Il y a plusieurs chapitres ? Ça a l'air sympa. La maison dans les bois. Ouh. A priori, le jeu est censé nous montrer la face obscure des gens. Sous couvert de normalité. Enfin, c'est ce que j'ai compris à peu près dans le synopsis. Sous couvert de normalité, il se cache des monstres. Ouh. T'es pressé. Ok, pour marcher. Tut tut tut. Je vais par là. Hello, hello. Y a quelqu'un? Je suis dans le même champ que Gladiator, que Maximus. Champ de blé. Je vais retrouver mes proches. Enfin, a priori, non, puisque je n'ai pas de proches. Hello. Y'a quelqu'un? Le style est très particulier, hein. Je trouve que c'est plutôt joli, mais c'est vrai que le style est particulier, ça change d'habitude. Faire défiler les options disponibles avec... Ok. Entrer, examiner. Je me sens étrangement attiré ici, je dois trouver un moyen de déverrouiller ce cadenas pour entrer. Donc je ne peux pas rentrer. C'est fermé. Ok. Eh ben on va trouver. Ok. Ça change d'un coup. Ouh. Carrément de couleur. Hello. Hello, hello. Pourquoi je suis tout d'un coup, je passe du champ à une décharge. Pas d'accès pour les piétons. Je suis pas rassuré. C'est quoi ces bruits? Hello, hello. Ah. Erk. Erk, erk, erk. C'est l'enfer. Ok. Erasmus Kelly Game. Dong. Qu'est-ce qui fait griller les trucs? Ambulance. Examiné. Paramédic ambulance. Je ne peux pas aller plus loin. Cette ambulance bloque l'accès à la sortie du tunnel. Peut-être n'y a-t-il pas de sortie du tout. Peut-être que je suis dans le... On va voir ce qu'il y a dedans. En enfer. C'est fermé. Mais tout est fermé ici. Comment je fais là? Ouvrir la porte. Bordel, tu vas t'ouvrir cette porte.
Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Huh? Donc? Donc? What's making that noise? Je veux pas savoir. Hello? Who's t'es trop, there? T'es trop curieuse pour quelqu'un qui n'aime pas les gens. Answer me. Non, répondez pas. Y'a quelqu'un? Ok. Ah, je crois que c'est mon corps. C'est mon cadavre froid juste sous mes yeux. Que fait-il ici? Bonne question. Suzanne, examinez. Tournez la tête. Oh, j'ai l'air tellement calme. Ouvrir les yeux. Et... mes yeux, la seule chose que j'aime chez moi. Même maintenant, ils brillent encore un peu. Mais non, mais t'es jolie. Pourquoi tourner la tête? Je ne sais pas. Ok, attends, je peux rien faire. Y a rien dessus. Suzanne, ouvrez la bouche. Ah, il y a une clé dans ma bouche. Dans ma bouche. Dans sa bouche, dans ma bouche. Je ferais mieux de la prendre avec moi. Pourquoi mon cadavre faisait toc toc dans l'ambulance? Qu'est-ce qui se passe? Wow, 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 wow. Même en enfer, c'est dangereux, dis donc. Je pensais être safe. Être débarrassé. Hey, je risque ma vie tous les jours, moi. J'ai pas l'habitude dans mon salon, tu sais, hein. C'est plutôt calme. Y'a rien à faire. Je suis avec mon chat, il me regarde dans les yeux toute la journée pendant que je suis en train de tricoter, regarder la télé, jouer aux échecs. Ah, je suis retourné. Ouh. Bonjour, le petit daim. Tu es Bambi? Mais non, pars pas, je voulais te faire un câlin. Non? Maintenant, il y a une forêt. Sanglante. Du coup, il faut que j'utilise la clé. Je ne vois pas de verrou, tu te fous de moi, là? Alors, ouvre l'inventaire. Tu le vois, le verrou, maintenant? Voilà. C'est pas trop tôt. Hello? Caca. Planche. Examiner. Le trou a été barricadé avec ses planches. Mm-hmm. Indication dessous. Dit interrupteur de secours, danger. Ah ah! Je devrais peut-être tirer. Regardez à travers. Il y a sans aucun doute quelque chose ici. Je ne suis pas sûr, mais on dirait un interrupteur. D'accord. Peut-être que je devrais le tirer. Je ne suis pas assez forte pour le tirer à main nue. Donc, il faut que je trouve un outil. Examiner. Trop de temps sans sacrifice peut rendre le cœur de pierre. Faut-il de nouveau, un nouveau sacrifice pour le relancer? Peut-être que je suis folle, ce n'est qu'une vieille machine après tout. Donc je vais pas tenter de l'allumer parce que je suppose qu'il faut que j'arrache les planches pour pouvoir l'allumer. Et il faut que j'aille voir du coup le petit Bambi, le Bambino, qui doit certainement avoir un outil. Genre, je sais pas, un crowbar, je l'ai en anglais le nom, c'est un pied de biche. Pied de biche. Hey, salut! Attends-moi! Attends-moi, pourquoi tu cours? Hé, oh. Hey, Bambi! Tu m'emmènes où? Ça sent le piège, ça sent le traquenard. Tu m'emmènes vers un endroit isolé où tu vas me faire des choses. J'aime pas ça. Bonjour! Je crois que c'est encore mon corps. Hein. Comme ça, corps suspendu examiné. Mon cadavre pendu à un arbre, évidemment. Je devrais avoir peur, mais je me sens juste vide. Quelle est cette chose brillante autour de son cou? Est-ce une clé? Une clé pourquoi? Puisque... bah... examinez, la corde est serrée grâce à un nœud. Je vais pouvoir ouvrir les planches avec les clés? Ou alors je dois rentrer là peut-être? Il me faudrait des heures pour défaire ce nœud, et alors? Bah mets-toi au travail! D'accord, donc il faut que je trouve un endroit pour couper peut-être. Ouvrir. La porte semble verrouillée de l'autre côté. Ok... ils vont faire ça longtemps de me faire faire des va-et-vient. Il faut que je trouve quelque chose pour couper. I can't remember this place. Am I lost? Oh, ça a encore changé. Salut corbeau. Est-ce que tu aurais quelque chose pour couper la corde? Non. Ok, je me casse. Tu te casses, très bien. C'est charmant comme tout l'endroit. Je viendrai. Oh, ça c'est encore plus charmant. Je viendrai bien y habiter. Quel spectacle horrible. Enfin, au moins, ce n'est pas ma tête plantée sur des barreaux. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on voit son cadavre. Ça se trouve, ça aurait pu être ma tête. Ouvrir. Mais tout est fermé dans ce bled, là. Laissez-moi entrer quelque part, que je puisse avancer. En
encore le corbeau. Où est-ce que je peux aller? Je reviens. Mais la voiture est revenue là. Ah, c'est le corbeau qui m'indique la direction cette fois. Avant c'était Bambi. Donc là il faut que je revienne en arrière. Ok, on va le suivre. À le suivre, hein. D'accord, dis-moi, par où? Encore à droite? Ok, à droite. Ah bah y a un couteau. Ça tombe bien. Serre, examinez. Qui a fait ça? Il y a quelqu'un d'autre ici? C'est charmant comme tout. Le couteau, tu peux le retirer, moi? Voilà. Elle va pas me dire, ah, ça fait des heures que je suis là. Déverrouiller. Je peux déverrouiller ça? Un bon coup de couteau. Ah. Ah. Mais ils sont malins, les petits coquins. Attends, il me faut le couteau. Utiliser. Chouic, 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 chouic. Et le cadavre, ploup. Il est où? Cor, regardez de plus près. Oui, regardons de plus près. Suzanne, examinez. On dirait que je dors juste. C'est profond ce que tu dis. Fouillez les poches. Vide. Partir? Bah non, prendre la clé. Je vais quand même pas partir. Faut vraiment que je pense à cette mécanique. Pour pouvoir déverrouiller les trucs, utiliser les machins. Et je crois que... Bonjour. Welcome to my house, Susan Ashworth. I have been waiting for you, my salut. Dear. I knew you would turn up one fine day like this. Non mais attends, j'ai un truc à ouvrir. Who are you? Je veux pas rester là. C'est bizarre. I have so many names. It's hard to pick one. Eh bah choisis-en but un. I'm curious. Who do you think I am? Êtes-vous le diable? Je pense que c'est la mort, mais... I know you don't believe in God. If there is no God, is there a devil? Bonne question. I'm something else entirely. La mort, tout court, alors. I come when there's something to take, but I never give anything back. C'est ça, la mort. I am doom. La ruine. But I'm salvation too. I am feared by most. Tu es le vrai Dieu. By some also. Some like yourself, Susan. Don't flatter yourself, old lady. Bim. I don't even know you. Prends ça dans ta tête. Well, that's not quite right. I've been around for a while. Le chat? Keeping you company. Always there, you know? Oh, c'était le chat. Always there. Vas-y, ronronne. Long enough. Si tu ronronnes, je peux reconnaître peut-être. Everything about you. Nobody knows everything about me. À qui tu parles? Not even myself. Quel est cet endroit? This, my dear, is my humble kingdom. And si tu es la mort, je me doutais. Is my castle. Il est petit ton château. I rarely invite people in, just like you. I like my solitude. Mais alors pourquoi tu me parles? But you, je peux partir. Are a special guest, and I'm going to make an exception. Me? Qu'est-ce qui fait que je suis spécial? C'est ça. I can tell you now that there's nothing special about me, lady. Don't bring yourself down. J'aime bien son personnage. Ashworth. Today you are my guest of honor. D'accord. Que va-t-il se passer ensuite? Depends on you, Susan. Inside my house, there are dark hallways that lead to places you don't want to see. Mamie? Is also something that will make you want to return to where you came from and cherish every single little breath. J'ai pas envie, je me suis suicidé exprès. I'm going to make you an offer, Susan. It's a chance only a fool would refuse. Okay. What? An offer? What can you offer? Si tu m'offres la vie, ça risque de poser problème. It's getting cold out here. Je sens pas. Mon corps sent plus rien. Oh, c'est creepy chez toi. Regardez. Une plage abandonnée. Touchée. Please don't touch anything. I wasn't going to. You lied to the whole world, Susan. And you lied to yourself. Non, je voulais juste rentrer dans la peinture. Je voulais pas toucher. Femme étrange. Bon, tu peux l'appeler à mort tout de suite, hein. Est-elle vraiment là? Peut-être n'est-ce qu'un rêve, après tout. Peut-être qu'on ne vit pas ça. On est dans le coma, du coup, qu'on voit ça.
Je ne sais toujours pas qui vous êtes vraiment. On va faire l'imbécile. Bon. Ah, mais tu me l'as déjà dit, mamie. Tu radotes un peu. But there is one name the fallen ones use when I speak to them. I find it most accurate. Eh, vas-y. Thanatos? The Queen of Maggots. Ok. Is that what you are? No, there isn't. There never is. Because what? They feed on what's dead and gone. Hmm. On s'en doutait. Dead and gone. Oui, tu es morte. I guess that's me. What? C'est creepy là, la façon dont elle me regarde. Non, 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 Suzanne, tu me regardes pas. Y'a pas de quatrième mur ici, s'il te plaît. Will I be punished for taking my own life? Most people would be, but not you, Susan. Pourquoi? You see, pourquoi? I watched you long enough to understand how you feel. I don't expect you to believe me, but I actually have sympathy for you. D'accord. Who knows? I could be your only friend. Si t'étais vraiment mon chat? The only friend in the whole wide world. Normalement, oui, t'étais mon seul ami. Said, I'm going to make you. Mais t'as toujours pas ronronné. Je suis pas sûr encore que t'étais mon chat. You. I will give you back your happiness in exchange for a simple task. Your life will change completely. You will be yourself again. What? And you will soon forget the sadness that has consumed your heart for years. Mais je comprends pas pourquoi. Attends. Is there anyone else here? Arrête de me regarder, Suzanne. I thought you liked being alone. Isn't that why you ran away from everyone? It doesn't matter. C'est super bizarre, je comprends pas. Right behind you when you je comprends pas, elle dit que toute sa vie, elle a été toute seule parce qu'elle aimait pas les gens. I brushed your hair every night, you cried yourself to sleep. Pourquoi? Pourquoi je voudrais revenir à ça? I know what ça n'a pas de sens, le marché là. But it's not here. D'accord. It's gone, and it will never, ever come again. Ouais, c'est ma vie. Je n'ai plus aucune raison de vivre, pitié. Je vais la jouer RP, hein. Juste laisse-moi. Au revoir. I tried. I really did. What? But it's never going to be okay. Who knows? Maybe. But one way or the other. This isn't the end of your story. Donc en gros, j'ai pas le choix. It's only the beginning. Si j'ai pas envie de revenir à la vie. Great things waiting for you. Tu veux pas me laisser partir? Believe me. Eh bien. What do you want me to do? J'ai pas le choix. I think it's time to explain. But where are my manners? We're still in the hall. This is not a place for a serious talk. Follow me to the next room. Tu pourrais me servir un whisky parce que là j'ai besoin d'un truc très 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 fort pour pouvoir subir toutes tes conneries. Joli. What's your offer, then? Joli piano. Jolie bougie aussi. Ah, et un son en moins. Que Susan, death can fix nothing. But though we are both dead, I am not. Death. I might seem just like a strange old woman to you, but I'm just as powerful as gods. Attends. And I challenge you, Susan Ashworth. I'll need you to go back and face five people. They're not ordinary people. They're very special, just like you, only in a slightly different way. D'accord. En quoi ils sont différents? Dis-moi. Dis-moi. Je suis une fille. Je suis une ratée. Pourquoi tu m'as choisie? I'm a failure. Why did you choose me? Aren't you afraid I will let you down? Whatever it is I have to do. Comment tu sais surtout que je vais arriver à faire les trucs puisque je ne suis jamais sortie de chez moi a priori? Most days, it's enough of a struggle to crawl out of bed. I don't see the point in anything. I just want to disappear. Mais non, and I Suzanne. Hate everyone else because they know how to be happy. Everywhere I turn, there are people filled with hope and will to live.
or people so pitiful. They make me ashamed to be alive. C'est pour ça qu'elle aimait pas les gens, d'accord. There's nobody there for me. Si, y a ton chat. I'm alone. T'as laissé ton chat toute seule. I just want to vanish. C'est pas sympa. Pas cool. This is the very reason I chose you, Susan. Parce que Ashford. Parce que tu peux grandir, apprendre I des choses. I know how you feel. Because I felt like this myself for a very long time. You and me are very much alike. On a presque la même coupe de cheveux en plus. You'll never feel broken again. Cinq personnes, qui sont-elles? Those five people, who are they? The parasites, that's what I call them. Parasites. They don't know each other, but their destinies are bound together. Ils sont liés par moi. To keep your eyes open and be constantly on guard. Bah, je suis morte. They will want to get closer to you. They might even pretend they are your friends, mais don't let that fool you. Mais je suis morte. Comment tu veux qu'ils se rapprochent de they moi? They have nothing but cruel intentions. They'll want to hurt you, Susan. Oh oui, blesse-moi. They'll want to kill you. Ah non. Encore. As harmless as they might appear, parasites are the evil scum of the earth, and they all deserve to die. Isn't my life bad enough without them? Je dois les tuer du coup? Don't be frightened. You will have a great advantage over them. They don't know that you know. Do you understand what it means? Que je vais pouvoir les choper par derrière. You will become my hunter, serving punishment for their sins. Très bien. A tool of destruction. A dark angel walking through the river of blood. You find your purpose in life and you see for the first time how satisfying it can be. But how will I recognize them? There isn't a great deal of people in your lonely life, is there, Susan? You will know when you see them. Disons que j'étais un peu agoraphobe et j'ai eu un peu de mal à me lier socialement. Donc comment tu veux que je sache les reconnaître? Comment tu veux que j'arrive à me débrouiller? Are you expecting me to kill them? No, Susan, I'm expecting you to fight for survival. To do everything you can. Tu vas me mettre dans une position, je vais t'obliger de ça va être moi ou l'autre. You're not a murderer. Quite the opposite actually. You're a good person. But I also know that you don't want to suffer. C'est pour ça que tu m'as choisi. They will want to cause you pain. They won't hesitate. In the end, you might have no choice. Parce que tu me laisses pas le choix. Gardening. If there were weeds among the flowers, you'd pull them out, wouldn't you? Non. You'd pourquoi? Get rid of them without thinking twice non, about pourquoi? It. Pourquoi? I'm not really a gardening type. Les mauvais herbes ont le droit de vivre autant que les autres. And remember this, you are not the only victim. If you don't stop them, the killing will continue. Innocent. Ça, par contre, c'est différent. Je suis d'accord. You have the opportunity to make the difference and the chance to save yourself. Je ne peux pas faire ça. C'est trop. I can't do this. It's too much. Dealing with criminals is a job for the police, not someone like me. Indeed, you are weak. That's why I have prepared a special gift for you. Tu vas me donner une potion pour me transformer en immortality. You cannot die. Mais quel est l'intérêt de me défendre alors? Return to life, no matter what happens to you. What? This is the last thing I wanted. Please, can't you just let me die? I've made the decision. J'ai pas le choix. As long as they are alive, you cannot die. Ah bah c'est sympa. C'est du chantage, vous n'avez pas le droit. Blackmail. C'est inadmissible. You can't do that. I'm doing it for your own good. Non, tu le fais ça pour toi. Anyway, you are in no position to bargain with me. You will either go and do what you have to do or suffer for eternity. Ok. Forever unable to find your peace. D'accord, je le fais. Eh ben, je vais le faire. C'est pas le choix, quoi. Bon, This all must allons-y. Be just a weird dream. I don't believe you. Je ne te crois pas. Susan, ben, moi, toi, tu la crois pas, moi, je la crois, par contre. Hein. Parce que depuis le départ,
Oh, ma tête. Let's go inside. C'est un bug ou j'ai perdu ma tête. I want to show you something that will help you make up your mind. Follow me. Ok. Montre-moi, mais je verrai ça la prochaine fois parce que je n'ai plus le temps. Malheureusement, merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. En vous disant à la prochaine avec Suzanne. Ciao.